explorer le volet aperçu. Alors, par défaut, le volet aperçu de la page imprimée va afficher la première page de la feuille de calcul. Ce qui est possible aussi de faire, en fait, c'est d'utiliser la barre de défilement verticale qui est juste ici en bas pour pouvoir visualiser les autres pages de la feuille de calcul pour qu'on puisse s'assurer tout est conforme avant de faire l'impression. Donc, ce que je veux vous montrer dans cette petite capsule, alors en fait, c'est les boutons qui peuvent être utilisés et ainsi que le bas du volet aperçu. Alors, on peut voir ici dans l'encadré la page active qu'on voit dans l'aperçu. Donc, je vois la page 1 en ce moment et j'ai aussi les boutons page précédente qui est ici et le bouton page suivante qui est juste à droite, évidemment. Donc, si j'appuie sur le bouton, je vais voir donc dans mon aperçu ma deuxième page. Alors, on voit dans l'encadré que ma page active en ce moment, c'est la page 2. Et si je veux retourner à la page précédente, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton page précédente pour pouvoir aller à la page précédente. Je vois aussi mon nombre total de pages. Donc, je vois que j'ai 2 pages dans mon classeur. Donc, c'est important à savoir aussi. Ensuite, on voit évidemment notre aperçu de la page de calcul. Et ce qui est important de connaître aussi, ce sont les 2 petits boutons qui sont à droite ici. Donc, j'ai un bouton de zoom. Alors, mon bouton qui est à l'extrême droite, c'est le zoom sur la page. Alors, si je clique sur le bouton, donc, je vais voir ma page un petit peu plus grand, tout simplement. Donc, si je réappuie sur le bouton, le zoom se défait, tout simplement. Et j'ai le bouton qui est à gauche. Donc, ce bouton-là affiche les marges de la page. Alors, si je clique sur le bouton, je vais voir donc où sont les marges de ma page et je pourrais même aller modifier les marges de ma page directement dans l'aperçu avant impression. Ensuite, donc, si je ne veux plus voir les marges, je réappuie sur le bouton « Afficher les marges » pour ne plus qu'elles apparaissent, tout simplement. Alors voilà, c'était une petite exploration du volet aperçu.